Salut, salut, gang! Euh, je vous laisse le, le temps de vous connecter. Tout, euh, tout le monde. En même temps, euh, vous avez Cassiope qui a décidé qu'il buvait de l'eau. Mais écoute, fidèle à ses habitudes, avec toujours dans mes vidéos. C'est déjà une vedette, la chupette. Fait que prenez le temps de vous connecter. Prenez le temps d'arriver. Dites-moi un petit coucou. Ça va me faire plaisir de vous dire coucou. Euh, je vous laisse. Souvent, je laisse un peu le, le temps aux gens d'arriver pour faire mon tirage en premier. Après ça, j'avais une commande qui est arrivée que je voulais vous montrer, une commande euh, d'une surprise. Pas pas de café toi, Cassiope. T'es déjà assez énervé de main. Salut Joanne! salut Émilie! Bon, mais il y en a une coupe qui sont là. Allô Isa, euh, celle qui était là hier, vous me trouviez mollo. Fait que euh, café! salut Audriane qui ne regarde pas mais qui se connecte à chaque fois. C'est. Allô d'hiver? Ah oh, oui, parce qu'il fait hiver. Salut Lise! Euh, en fait, donc, je t'ai rendu à vous dire un beau bonjour. Le temps d'arriver, puis de faire mon tirage, prendre une gorgée de café. Salut Vicky! Puis euh, je vous fais ça. Ce soir, j'ai à vous montrer euh, faire le tirage, vous montrer une commande que j'ai reçue. Je vais vous faire, faire un vote pour mon prochain chat que je veux acheter, parce que je suis incapable de décider. Euh, puis, euh, puis après ça, je vais faire ma page qui fit avec le kit. C'est ça qu'on avait décidé hier. Mm. Bon. Ma gorgée de café est prise. Bonne chance. <laughs> non, non. Alors, vous vous rappelez, je prends la roulette. Vous avez aimé ça hier. Euh, J'ai mis les noms de toutes les filles qui ont participé au concours euh, pour gagner ceci. Êtes-vous prête? J'entends pas. Êtes-vous prête? Oui, salut. Minette vous dit salut. Elle buvait de l'eau dans mon pot d'eau, mais là, elle est partie. Ça se peut qu'elle revienne. Euh, Auré... Aurélie, je ne sais pas si elle est là. Alors, c'est parti. Un, deux, trois, go. Qui gagnera ce soir? Yeah! Diane! Félicitations. Salut, Jeannie! Diane, t'arrives puis regarde, tu gonges. Tu vois comment t'es chanceuse. Euh, je mets ça dans ton paquet, Diane. J'hésiterai pas à te rajouter ça, chanceuse de chanceuse. Alors, je mets ça de côté pour la belle Diane. Salut, Nathalie. Salut, Martine. Euh, yes, hein? en tout cas, Diane, moi, elle m'a déjà dit, je gongue pas, je gongue pas. Ben, je vous dis qu'elle gongue, c'est ainsi. Donc, commande que je suis allée chercher parce que ma maman reste pas loin de l'Imstron. Puis, euh, ben, ils peuvent faire un service de, de livraison sans, sans contact. Maman me met ça dans la boîte aux lettres, moi j'y vais. Puis, euh, trêve de plaisanterie. Salut Wendy, j'ai trouvé ça drôle parce que, en fait, j'avais pas mangé. Fait que quand je suis arrivée chez ma mère. J'ai dit « Maman, qu'est-ce que t'as à manger? » Fait que là, j'ai mangé une soupe sur le perron, au fret, aujourd'hui, à côté de ma mère. Fait que là, c'était très, très drôle, à deux mètres, bien sûr. Elle m'avait fait à manger. Fait que, ouais, parce que elle reste avec ma, ma grand-maman, hein, Donc, il faut faire attention pour le COVID, vu que je suis un service essentiel. J'ai fait ultra, ultra attention, mais je ne vais pas le donner à ma grand-maman. Donc, voilà ma commande. J'ai acheté des petits chats. <laughs> C'est rare que j'achète des affaires de shop, mais là je me suis trouvée drôle. Des petits euh, branchages en chipboard. Un titre âme je J'étais filée l'over. Euh, salut Marthe! Des euh, petites étiquettes en chipboard qui sont euh, vraiment magnifiques. Je vous rappelle euh, qu'il y en a qui m'ont demandé d'avoir les produits Limstron. Euh, Citron. est basé à Québec, puis elle a une boutique en ligne, donc. Euh, je vous invite à aller directement sur son site, c'est plus facile de commander, puis ses frais de livraison sont moins chers pour ceux qui sont à l'extérieur. Euh, oui, je me suis gâtée un peu. Les euh, les alphabets. Oh, je suis gâtée pour la soupe. Oh, oui, oui, vraiment. Vraiment. Mais tu sais, c'est ça. Puis euh, elle m'a donné un petit muffin que grand-maman a fait quand même. Euh, des, petits des petits badges. C'est rare que j'en achète. Fait que je me suis amusée à en acheter. Puis euh, je me suis acheté euh, quelques petits mots euh, pour aller avec la découpe là. Voilà comment je me suis gâtée. J'aime bien le blanc et noir. Puis craft, ben malheureusement, ils, ils deviennent BO. Fait qu'on a hâte que ai en reçoit. Oui, les lettres sont belles, hein, pis sont petites. Fait que j'ai l'impression que ça va faire des beaux titres. Alors voici ma petite commande Limitron que. Euh, petite, petite, je me suis gâtée. J'aimerais en refaire un autre avant le tournoi qui va commencer bientôt. Eh, hey, je pense, je me suis même pas inscrit. Oh boy, j'ai oublié. Pensez-vous que Jannick va me prendre pareil? Je le sais pas, hein. Je ne sais pas, ça va me prendre pareil. Bon. Fait que là, je vais faire la page. J'ai préparé, vous voulez choisir les chats, le chat avant? Qu'est-ce que vous aimeriez mieux? Je vous laisse voter. Salut, Lauriane. Voulez-vous qu'on choisisse mon chat, que je vous laisse voter avant de de présenter ou ou je vous laisse euh, je commence la page puis on choisit le chat après <laughs> ah oui moi j'ai oublié de m'inscrire petite tête de petite tête je vais dire ben là, je ferai pas ça -là, là avec vous mais euh, je vais je vais t'y écrire parce que je l'oublie tout le temps petit cerveau que je suis euh, je avoir ça pour faire mon tableau drive effectivement euh, <laughs> commande maman un autre chat, oh boy, alors on check les chats, super, bon, 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 euh... ce sera pas long, ça a comme, mon truc c'est délogué, donc euh, c'est plus long, que. bon, ça a l'air d'avoir tout voté chat, euh, en fait j'hésite pendant que je vais vous parler, pendant que je vais vous, euh, je vais mettre mon code, je vais vous le dire, j'hésite en hein, deux, en fait c'est sûr que je vais en acheter deux, mais j'hésite pas. Elle, elle est à vendre plus capable. Non, non. Euh... Oh, ça marche pas. Comment je vais faire? Une espèce d'iPad de boîte. Ah, je sais pas si ça a fonctionné. Non. En tout cas, oui. Euh, salut, Nadia. Euh, en fait, j'hésite C'est sûr que j'achète une rousse, mais l'autre, c'est une rousse et brune. On va essayer d'aller sur le site de l'éleveur. Peut-être que ça va être plus facile que. Mon iPad, regardez, il est bugué. C'est un maïdo au bout, la vie hein. Peut-être qu'il a trop fait de tourner la roulette depuis deux jours. Pensez-vous que durant ce temps-là, les chats viennent nous visiter Salut Nathalie. Tu sais, un pot d'eau là, ça l'amuse deux chats. Parce que vous êtes pas invité. Vous êtes pas invité, les deux tanans. Donc, 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 je pense que ça va fonctionner. Sinon, je vais être obligée de dire à Vicky de m'envoyer une photo. Attendez, je vais aller chercher mon autre iPad. Ça va mieux. Parce que lui, il est bugué. Pas facile la technologie, au moins il y a une distraction. Euh, ouais, à l'aide. Salut Julie! Euh, à l'aide de pogner les nerfs. Mais c'est pas super, ils n'ont pas trop sali ma, ma table. Euh, chance qu'il n'était pas trop loin, mon iPad. Donc, 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 donc. Voilà, je vais essayer de vous montrer. Celle-là, c'est sûr que je l'achète. Voilà. <laughs> Elle s'appelle Vénéra. Elle est magnifique. Hein? Alors, ça, c'est Vénéra. C'est sûr qu'elle vient ici. Mais là, j'hésite entre Mamselle avec une petite tache sur le nez. Je me rappelle plus de son nom. Ou Mamselle. Alors, je vais vous demander votre vote. Je vais vous les remontrer. Est-ce que, là, excusez, vous voyez toutes mes conversations. Hein? Est-ce que vous aimez mieux, madame, petite euh, tache sur le nez? La rousse ou la petite brune? Mais regardez, la brune en vieillissant est moins belle. J'aime moins. On dirait elle la plus méchante. <laughs> la petite tache le nez a comme quelque chose mais j'aurais deux russes euh, en tout cas je trouve qu'en vieillissant j'aime moins ses oreilles fait que c'est ce qui me fait hésiter puis un charou ben euh, c'est plus tannant fait que je vous laisse partager euh, vos informations pendant que je charge mon kit pour euh, la page dites moi est-ce que euh, la petite brune les deux ouais mais là je peux pas euh, je peux pas je peux pas en acheter trois faut que j'en achète deux puis, euh, ben, c'est ça. Fait que, laquelle? Donc, je vais choisir. C'est mes restants pour le kit. Fait que, c'est sûr que c'est pas les mêmes, même, mêmes papiers. Mais, je vois. Euh, parce que je les ai toutes mis dans le kit, là. J'aime mieux les russes. Euh, je pense... J'ai échappé mon shot pour tout cas. Euh, je pense que j'aime mieux les russes aussi. Puis les deux, mais les deux sont, sont toutes belles. Mais j'ai Laurent hein, que je viens de partager qui 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 ressemble. Puis on dirait que je trouverais, je trouverais ça cute d'avoir deux petites jumelles rousses. Mais ce qui arrive, c'est que si j'ai des jumelles rousses, je vais avoir euh, beaucoup de chats roux. Mais même si j'achète l'autre, il y a du roux dans son poil. Ça, je vais me les garder comme papier. Oh, on avait dit papier à motif. Ouais, ça, ça l'est dans le kit, fait que je vais le prendre. Ouais. Bon, voilà. Ça, je ça de côté. Euh, Fait côté. De, de toute manière, je vais avoir des roues, mais deux roues, c'est peste. Fait que... Bon, 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 bon. Je l'avais dit hein, hier, je n'étais pas énervée, mais j'ai pris quatre gorgées de café, puis je suis dans la boîte. Est-ce que j'ai le goût de prendre ça comme fond ou est-ce que j'ai le goût de prendre ça comme fond? J'ai le goût de prendre ça comme fond. Voilà. Euh, moi, Vicky, pardon, Vicky, tu t'es décidée. Euh, en fait, je pense, je pense, je pense. Ah, oh, les picots noirs. Oui, vous voulez des fonds noirs, hein, mais je pense que ça va être ça. Mon fond. Puis je vais avoir d'autres papiers. Euh, voilà. Fait que là, il faut que je m'amuse en faisant le kit, en mettant pas trop d'affaires. Mais en mettant des affaires aussi. Les fonds noirs, là, je vais venir jouer avec ça et ça. Ça va être le fun. Bonjour Léonard. Ouais, les chats, tannins, mais c'est sûr que ça sera pas mes premiers chats. Hein. Fait que. <laughs> je me dis, bon, s'il arrive deux pièces en même temps, ben. Ça va être le fun. Bon fait que ça c'est des cartes qui me restaient des kits que j'ai fait. Donc je vais me les mettre de côté pour faire mes fonds puis je vais me choisir une photo tranquillement pas vite. C'est sûr que dans le kit euh, dans les kits que j'ai mis en vente aujourd'hui ben qui vont être en vente tantôt vous savez euh, vous pouvez m'écrire en privé le, avant que je les mette euh, sur ma boutique ça va me faire plaisir en oh, voyant Seigneur Dieu. De vous le réserver. Euh, les kits sont en vente. Finalement, j'ai mis le prix à 20$. dollars. puis euh, les kits, là, vous pouvez, en, en, en privé, je vais vous le réserver. Sinon, il va être à, sur ma boutique dans le courant de la soirée maximum cette nuit ou demain matin. Euh, pourquoi je les fais venir de, de Russie En fait, euh, j'avais eu ouï dire que les éleveurs au Québec étaient très territoriaux. Ils le sont. Et ils ne veulent pas partager leur lignée. Donc, euh, si j'achetais un chat de Russie ici, de, de, de du Québec, euh, en fait, euh, les éleveurs ils veulent, ils ont ultra 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 des droits euh, de reproduction. Puis, ben, je comprends maintenant pourquoi, parce que euh, ça protège la lignée. Si ce sont tous des chats du Québec, ben un moment donné, ça va faire de la consanguinité. Euh, donc en, en allant, ben moi je fais venir de deux éleveurs, puis je m'assure qu'il y a aucune euh, aucune génétique ensemble. Qui, dans le fond, j'ai un mâle plein de femelles, puis euh, ils sont pas, ils ont aucune aucune euh, aucune génétique. En tout cas, ils sont pas ils sont pas avec le sont pas avec le mâle. Donc tout est correct parce que tu sais mes bagages j'achète au Québec, mais c'est plus difficile de de s'assurer que les gens, euh, tu sais, il n'y a pas de consanguinité. Fait que c'est pour ça que j'achète de Russie. Puis, en achetant de Russie, ben, j'ai pas de restrictions au niveau de tu peux accoupler avec lui et lui lui. Euh, j'ai pas une garde de territoire non plus. Puis, euh, c'est ça. Mais finalement, j'ai appris à connaître les éleveurs du Québec. Puis, elles sont vraiment gentilles. Donc, euh, c'est pas grave. Je continue. Euh, salut euh, Sonia! Je continue pareil à voyons acheter en Russie parce que tu sais, mon, mon éloge est, va être là, mais euh, ça se peut que je fasse des échanges avec les filles du Québec après. Mm. Parce que quand on tombe dans la reproduction de chats, puis tout ça, il y a énormément de tests, de réglementations, ça a l'air si simple de dire « Ah, oh, je fais accoupler mon chat, je fais une portée, mais... » Ben non, ben non, c'est pas si simple que cela. Mais c'est pas grave, on aime ça. Bon, je choisis ma photo au lieu de « placoter ». Là, mettons, là, je peux-tu prendre un. Je peux-tu prendre un cheval? Mm -hmm. Ça fait été mon affaire, mais. On dirait que j'aime ça. Où je vous mets un lion, tu sais, avec des fleurs. Vous êtes tellement tanné de voir des lions. Salut Francine! Elle était déjà pris cette photo puis il y a une tâche. Fait que ça Voilà. Je suis en train de choisir la photo pour celle qui arrive. Mais sûrement que ce sera le petit canard. J'aime bien ça. Je, Je vais aller à enlever le truc, là, mon chat. A... Malgré que ça, ça serait peut-être beau. Non, trop belle. Mon chat a pitching a irrésistible à terre. Sinon, je ne être... Voilà. Donc, en passant, as-tu As-tu un papier... Oui, c'est malade avec des canards du genre. En tout cas, bon, hey, je saute seul dans, dans, dans ma maison. C'est drôle, ça. Mm. Bon, voilà, 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 voilà. Ça, ça allait là. Dans le kit, j'avais pris une coupe de cartes comme ça. Puis. Il y a une bataille de chats derrière moi. Ouais. J'avais pris une ou deux cartes comme ça. <laughs> ouais, des canards. Il me semble que ça va faire arriver l'été. Là je je j'avais pas préparé parce que vous me connaissez de plus en plus, je prépare pas grand chose. Peut-être ça, malgré qu'il n'y en a pas dans le kit. Parce que j'ai une coupe vu qu'il est jaune, je voulais moins aller avec le turquoise, mais ça se peut que j'avais pas le choix. C'est comme ça on me tord un bourreau, de prendre du turquoise. Je pense que ça doit paraître que je danse. Hein? Dans Soit, soit je t'ai endormie comme hier, soit que je suis trop hyper. Je me suis dit, je ne peux pas être plate comme hier tout le long parce que, ben, je n'étais pas plate, mais j'étais plus monotone. <laughs> Donc, à peu près, ces cartes-là plus les autres cartes, ça devrait être pas pire. Je vais mettre ça de côté. Je ne vais pas trop en mettre non plus parce que dans les kits, il euh, y en a, mais je veux pas euh, non plus faire en sorte que vous trouviez que j'en mets plus que d'un kit puis que y a rien à faire avec les kits parce qu'il n'y a rien y a rien dedans ici tempête par bout je vais pas en face alors l'été est loin Tu t'es où Émilie? parce que nous euh, c'est pas si pire il y a eu de la neige ce matin mais après ça c'est juste la grêle On pas bon et là j'ai ces cartes là je vais regarder ce que j'ajouterai un peu. C'est sûr que ça, là, c'est un kit de. Puis j'ai mis toutes les plus belles dans. dans les kits parce que c'est un kit d'enfant. Peut-être celle-là. Ouais, tu sais où, Émilie? Sans Montréal. C'est ça, mixer deux collections. Des fois, ça fit, des fois, ça fit pas. Alma, ah ouais, je pensais... Je suis pas mêlée, je pensais que t'étais à Donc, à Alma. Fait pas beau. Lac Saint-Jean. Au lac Saint-Jean, quand t'es y pourrielle, ok. Oh, ne plus... Bon. Je pense que j'ai tout mis les belles cartes dans vos... Euh, dans vos kits. Je vais être obligé d'enlever un kit avant. Puis, euh, puis m'amuser. Non, mais je vais m'en mettre là-dedans, puis je vais me couper les papiers. Oh ah, hum, hum, hum. Fait que tantôt, on aimait bien ça. Dans mes trucs, j'avais du papier, mais vous autres, j'ai mis un papier euh, basile blanc. Je trouvais que ça fitait bien. Bye, j'étais plus sûre que ça fit. Moi, j'avais un kit pour un album anniversaire de 25 ans de ma fille. Et des... as-tu des suggestions? Ben, j'en ai plein, mais euh, écoute, euh, ça pourrait être un pad de fabrica décoru, euh, qui en a en masse. Sinon, ça pourrait être, euh, ça pourrait être des Ça dépend ce que tu as chez toi, Martine. On pourra regarder ça ensemble. Ouais, ça, c'est assez saisie, mais le bord, c'est pas si pire. Vu qu'il y a du motif, il faut, faut que je me calme hein, dans, dans les papiers. Bon, je suis en train de me battre là. Voilà. Je vais me couper une moitié de papier, puis il y avait aussi un vélin que je voulais me prendre. À part. Que j'avais coupé. Ça ressemble à ça, à, un peu à ça, hein, le, le kit. Voilà. Dans les couleurs qu'elle aime comme base pour partir. Bizarre, c'est une dit j'avais même... <laughs> ouais, mais là, à cause qu'on a mis au lac Saint-Jean Mais, mais je sais même pas les paroles au complet. avec bonne chance. Oui, euh, oui, faut regarder avec les couleurs, effectivement. Eh hey, ben, salut Louise, aidez-les! Aidez-les! Euh... ça dépend, tu veux faire un album qui ressemble à quoi, qui a, qui a quel goût? Là, vous savez, qu'est-ce que je fais? Je coupe des papiers pour aller avec mon canon. Voilà. Le valin, je sais pas encore si je le garde pour me faire des étampes découpées. Ou elle sait pas, elle sait pas. Au lac Saint-Jean là, quand tu es du pour y aller, tu y vas avec quelle sorte de papier <rire> OK. <rire> je vous avise que j'ai travaillé ce matin puis que je me suis levée à 5h30, fait que là euh... Je me suis endormie, il était une heure et demie du matin parce que Miss Cindy, hein. Euh, Jim voyage. Euh, oui, oui, je garde avec la collection de papiers. Ouais, pis là, à un moment donné, quand il me reste juste des petits bouts, ben, je garde au le Mais oui, euh, je fais plein d'affaires avec des retards. Hé, hey, Seigneur, amène, moulet, je fais pas trop ce que tu me dis, désolé. Mais ça me fait plaisir que tu assistes à mon live puis que tu dises euh, des paroles arabes que je ne connais pas. Donc voilà. J'aime ça. Et le fait d'avoir des. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, on pourrait leur écrire des petites affaires. Ça, je suis pas sûre qu'on va prendre ça. Y a t quelqu'un qui est traducteur en arabe? Elle fait vrai ton lac. <laughs> Répondez à Ahmed Moulet. Qu'est-ce qu'on lui dit? Bonjour. Euh, c'est Clairement, que c'est du. Je ne sais, si... sais pas. Je ne sais pas. T'es qui? Je ne sais pas ce que tu dis. Je, je suis aucunement raciste. Je comprends juste pas. Pas, pas de traduction. <laughs> Qu'est-ce qu'on lui dit, Ahmed? Ahmed, t'es qui, toi? Qu'est-ce que tu fais sur mon live? Qu'est-ce que tu veux commenter? Oui, c'est ça. Une chose que le live ne me met pas à face. À un moment donné, vous allez dire C'est mais t'es soufflé, la mère. Mais ben, la mère est en train de faire du jogging parce qu'elle arrive seule. Au lac Saint-Jean, quand t'es es du pour y aller. C'est ça que ça dit. Hé, hey, on aurait-tu le goût de mettre un petit peu Là, j'y vais, euh, vais comme, euh, comme ça va. Hein? Oui, pas détendre, j'ai une, une idée. I just, I just do English. Ouais, mais là, Isabelle, par toi Ben, non, là. Non, mais pour vrai, c'est qui? On le sait-tu, lui? Euh, on le sait pas, c'est qui. On va peut-être parler un jour ou peut-être pas. Mais peut-être qu'il me dit Ce que tu dis, c'est de la bouette. Tes gosses en entendre. Ben, mais moi, je dis Merci! En plus, là, je me trouve drôle tout seul. C'est ça qui est drôle. C'est pas, c'est pas de, de l'arabe. Ah, T'es pas capable de parler arabe. C'est quelle langue d'abord euh, qui nous parlait Oh, j'ai failli chier mon papier. En tout cas, en tout cas, fait que là, là, mon devoir, c'est de m'inscrire au tournoi à Entendez-vous qu'il y a pas d'air Une serviette, s'il vous Vino Blanco, là. Mon espagnol, c'était pas... Mais non, c'était de l'arabe. Henri, euh, rit seul. Ouais, mais vous autres, vous avez du son. Non, tellement. C'est comme si vous parliez tout seul. Je vous réponds, mais peut-être que je réponds pas à ce que vous dites. Mm. Bon, trêve de plaisanterie. Ça c'est, je deviens sérieuse. Regardez comment ça va être beau. Désolée, il y a un chat qui a décidé qu'il faisait son... Son, son moment intime Il fait du bruit, hein? Oh non! Servez ça! Ça serait bon de se servir ça. Qui qu m'en apporte? Frère! Non, vrai. Mon Dieu, je pense qu'il est en train de faire une réunion. Fait que là, je peux l'éclairer c'est le moment. Il dira rien. On l'entendra pas! Voilà. Salut Sarah! Vino Tinto, c'est écrit comme cela. Mais ah, ben c'est correct on est tous un peu, euh, un peu à rire tout seul. C'est ça qui est plaisant. En tout cas. Ben, moi, je trouve ça plaisant. Bon, là, je suis train de mettre un petit peu de, de carton. Un peu partout. J'avais dit pas de surcoise, mais tu hein, savais comment je suis fiable. Oui, effectivement, ça fait du bien rire. J'ai ri toute la journée, écoutez, j'ai travaillé fort, fort, fort. Pas vraiment. Mais euh... <laughs> Je dis ça, hein, mais il y en a qui travaillent fort, là, mais désolé moi. Je... Mettons que je trouve pas que ma job était rough aujourd'hui. Peut-être que j'aime trop mon boulot. Ou peut-être pas. Donc ça va y aller comme ça, mais là contrairement à d'habitude, je vais y aller par colle. Hein Mais elle joue avec le risque cette Cindy ce soir. Oh, vrai, ça. J'adore le turquoise moi aussi. Moi aussi Martine. En fait j'adore le turquoise. Je déteste le jaune. Alors je fais un effort pour vous d'abord. Mm. Ah c'est vrai dans le kit il y avait un tag. Attendez, attendez, j'allais m'en chercher un. Noir ou brun? on Va voir. Noir ou brun? On va voir ce qu'est ce qui fit le plus. Puis, il y avait aussi une photo. Noir ou brun? Noir ou brun? Puis il y a une photo de main. Et turquoise. Super! <laughs> oh non, hein, ça va être beau la carte. Ouais, là ça ne fit plus que mes petits canards, par exemple, hein? <laughs> Peut-être que je le mets de même <laughs> Oh mon dieu, bonne idée! On va virer les photos de bas. Je sais pas, on n'est pas obligé de tout utiliser ce qu'il y a dans le kit dans la page. Hein? Ouais, non, ça ne fit pas avec mon petit ensoleillé. Brun, oui. Écoute, une carte orange avec plein de boutons. Ça serait malade. Magnifique. Magnifique. Que vous en pensez? Ben non. Pour ça, je vais prendre une petite gorgée mm. de café juste pour vous. Tu sais, là, quand je vous disais que <laughs> j'ai hâte de finir mes tubes parce que je vais m'en acheter d'autres pis qui sont dans ma boîte en arrière, ça, c'était mourant. <laughs> ça, c'était mourant. Bon, mais une carte orange. Non, ce sera pas le défi. Fait que là, il y en a une coupe qui m'ont répondu jeudi ou vendredi. C'est sûr que je peux pas pour faire un live jeudi et vendredi. Là euh, vous allez être écœuré de m'entendre. <laughs> Parce que j'ai quand même fait un hier. Si j'en fais un autre demain, puis j'en fais un autre vendredi, vous allez dire Hey la madame, euh, ça va être beau! Ça va être beau, la fille, qui, de, qui cherche des amis puis qui bricole tout seul. Mais je bricole pas tout seul, je bricole avec vous, mais qui parle tout seul? Salut Catherine! Oh boy! Euh, non, c'est le canard de personne. <laughs> Salut Karine! En fait, je l'ai dit dans d'autres lives, moi, je triche au niveau de la photo. Je. 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 En fait. Euh... Ben, je prends pas de photo. Je prends des photos qui sont voyons euh... saignant, je manque de main. Qui sont sur les internets. Je triche un peu. Voilà, on va brocher parce que Patience Cindy, elle ne collera pas tout ça. Sinon, ça ne marchera pas. Là, la à cause de vous, j'ai la chanson. Au lac Saint-Jean, quand tu peux y aller! Puis là en plus, si je la chante, vous m'entendez, mais moi je m'entends aussi puis ça gosse. Voilà, j'ai collé, j'ai brush et croche. Comme on va mettre ceci de même, hein, puis que j'ai-tu le goût de faire du euh, stencil, je pense que. On va essayer mes nouveaux stencils que j'ai trouvé dans ma boîte hier. C'est beau trop acheter, hein? Mm, 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 mm. Quel stencil je prends? À droite? Non, c'est gauche. À gauche ou à droite? Répondez-moi, je vais vous attendre en attendant d'aller chercher la pâte à texturer. Droite ou gauche? Droite ou gauche? Oui, j'en va. Ah oh oui c'est vrai non ça fait pas que mes canards euh, juste les accessoires picot gauche à droite ou à gauche allez-y Lac Saint-Jean m'a répondu non oui tu oui c'est Emilie hein. qui est tout à gauche je suis toute Miley, Caroline gauche salut Joël j'avais même pas vu que t'étais là est-ce que quelqu'un va me dire droite ou euh... oh bravo Caro <laughs> gauche. Ouais, on est dans ma pense va être gauche. Bon. J'ai le temps de finir mon café pendant ce temps-là. C'est pas plaisant la vie. Cool, droite. C'est Émilie hein, qui est dans, OK. Parce que Caroline et Émilie, vous êtes pas pareils, mais à cause que votre nom de famille est pareil, moi euh, j'écris à une pour parler à l'autre, fait que c'est vraiment magnifique mon affaire. Comme ça, ça va être partagé là. On va en mettre mais à des endroits stratégiques. Je vous rappelle que j'irai pas en mettre ici parce que c'est ici qu'il va avoir de quoi puis qu'on verra plus rien. Ça sert à rien. Je sais, on se connaît même pour Caroline. Un de chaque, si possible. Oui, euh, Sonia. Écrivez-moi en privé pour avoir, euh, parce que c'est sûr que si vous m'écrivez tout là-dessus, je, je le vois plus tard, puis je veux pas que vous perdiez votre chance. Je vais essayer de le retenir, mais ça va me faire plaisir. Ouais, on se connaît pas, Émilie. Qu'est-ce quest qui se passe Qu'est-ce qui se passe Imagine si tu me connaîtrais, comment la vie serait belle. Écoute, quand on connaît une Cindy, on veut pas en connaître mille de un, parce que boy. Hein. Si ça chante tout au lac Saint-Jean quand ça te voit, ben on est dans le mal. Non, je suis juste spécialement attachante. Ça paraît pas le mes c'est juste pour faire un petit. Euh, un petit bonheur. Voilà. Le blanc en deux mots et le blanc. Ouais, je le sais, c'est pas pareil! <laughs> Ben là, moi, je vois la couleur blanche parce que je suis une artiste, pis je fais comme « Oh! Ils ont la couleur blanche dans leur nom! » Juste un peu, hein, de pâte à texturer que j'ai mis. cest si facile, la vie? Pis là, ben, Mlle Cindy, elle a un lavabo dans sa salle de bricot, fait que qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle est allée le picher dedans. En plus, on se rassemble pas mal, même si tu sais pas encore. Moi, <laughs> ouais, tu je te connais pas. Mais euh, au lac Saint-Jean, Caroline, c'est <pour> y aller. <laughs> ok, je vais arrêter. Pauvre petite. Je vais sécher un petit peu mon truc. Présentement, j'ai l'impression d'habiter dans le sous-sol d'une maison où que mon chum pioche comme un bon en haut. Émilie, Caroline, ça serait parfait. Je ne sais pas pourquoi je vous mélange. Vous n'avez pas mes fesses toutes, Vous ne me parlez pas des mêmes affaires. Écoute, c'est ça, mon petit TDH. Parfaitement parfaite, la petite Indie. Désolée. Euh, y'en hey, y en a-tu? C'est vrai, belle nouvelle. Toi, euh, pas Emily, non. Toi, tu pourras pas répondre, mais, euh, y en a-tu qui sont allés au Washington aujourd'hui, qui avaient une heure et demie, deux heures de temps de perdre, à perdre? Parce que, effectivement, c'était euh, la cohue. Répondez-moi ça pendant que je vous dis comment je colle mon papier Vélène. Un papier velum. C'est un papier vellum, hein? Mais j'ai encore inventé une niaiserie. Regardez-moi ça, comment je vais le coller. Voilà! Dans le milieu, pas que ça paraisse, parce que je veux pas qu'on perde le côté velum. Papier vellum. Oui, d'être parfaitement parfaite, effectivement, ça fait notre charme. Ben, charme. Je sais pas, je te connais pas. Ok, ok, j'arrive. Euh, voilà! Je vais en venir coller dans le milieu. J'ai pris une colle transparente, mais ça pourrait être une autre sorte de colle. Elle a fait bien. Regardez, ça paraît même pas quasiment. Juste parfait. Mais, euh, quand on a une colle qui, on a peur qu'il paraisse, ben, euh, c'est ça. Oui, c'est vrai, Liz, tu es pas de Québec. Donc, toi non plus, pas de Ashton. Moi, je peux aller non plus. Failli failli faillit succomber. Il m'énerve, il croche. Pas facile, hein, essayer d'être parfaite. Moi, j'ai un rouleau pour velin. Ah oh, ouais, c'est quelle compagnie qui fait ça C'est Ça se pourrait. Ça se pourrait. On veut savoir. Dis-nous. Qu'est-ce que c'est? Parce que là, j'ai retrouvé, on en mes papiers. Euh, le papier vélin, c'est un papier transparent comme ça, hein, Martine. Euh, j'ai retrouvé du papier vélin euh, fabriqué, décoré. Attendez, je vais vous montrer. J'ai le temps. Hein? Vous êtes là, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix. Fred? Est-ce que tu peux essayer de peser 10 tonnes de moins? Hey, ça, on dirait que tu pèses 400 livres. Je Fait dire qu'il va en peser 9, mais l'entendez-vous? Piocher comme un bon. Euh, donc, regardez ce que j'ai trouvé dans mes affaires que j'avais en. Voyons, ouais, oh, Seigneur, il vient pas me gosser en plus. Est... Il est hyper actif aussi, hein? Québec, c'est notre ville fétiche. À moi et à mon mari, on y va souvent. Oh. Scotch pour la colle. Euh, donc voilà, j'ai acheté plein de papiers velins de Fabrica décoru qui est magnifique. Je vais retrouver ça tantôt. Ça fit avec euh, mon album hein, que je faisais hier. Ben, coudon. Ben, coudon. C'est marqué plus comme marque, ça va pas bien. Je ne connais point cette marque plus. faudrait, mais nous les donne une photo en commentaire euh, Émilie je dirais pas madame Leblanc, mais elle est encore plus mêlée euh, ouais, c'est ça c'est cela, c'est cela bon, j'arrête de vous montrer les produits Faut que je travaille un peu sinon le live il va durer euh, 4h30 là, est-ce que je continue de donner des cadeaux dans les lives, ça vous fait du plaisir salut Brigitte ou j'arrête vous êtes tannés Dites-moi ça. Regardez, j'aurais peut-être dû nous en coller un petit coin parce que ça fait bizarre, ça refrise. Ah, oui. Ah, tu peux pas mettre de photos en live, en commentaire. Ah, mais les... Mets -les. Ouais, bonne idée après. Et hey, puis, by the way, j'ai parlé aux filles qui font des lives, là, puis ils ont des Androids. À moins qu'on essaye de quoi. Voulez-vous que j'essaye de quoi en ce moment? Dites-moi, si ça va changer le... La... Si ça va changer le, le, je pense que c'est là. Dites-moi si le bord, si le bord change. Attendez, là. Seigneur d'Apple. Est-ce que c'est mieux sur votre écran? Est-ce que c'est changé? J'attends votre réponse. J'ai réussi avec la tablette. C'est-tu correct comme ça? C'est OK? Fait que là, en pesant là-dessus, tout est beau, vous êtes euh, du bon côté? Je sais avec l'iPad, j'ai pas eu le temps de te dire Ah ben Colin. ouais Mais c'est pas un iPad qui filme un iPhone. Donc ça serait correct de même. C'est changé? Fait que là, vous êtes en Ça ça change rien, c'est juste miroir. <laughs> C'est changé. Ah, ben, tu vois, il y en a que ça change. C'est pareil. <laughs> oui, c'est correct. Ben, là. Pareil, correct, pareil. Euh, là, vous voyez encore sur le côté ou vous voyez horizontalement bien? Hum, en tout cas. Mais non, tu peux pas parce que là, on va japper comme une bonne. Bonne idée. Mon chum, il voulait partir juste avec un chien. Mais quand il part avec une, ça a juste changé de bord. Oh! Bon, ben, on laisse faire. Ça change absolument rien. Bon, voilà. C'est encore sur le côté. Mais ben, j'ai demandé aux filles, puis euh... C'est ça. Ben, tournez ma tête. Ça marche pas. Je suis désolée. Ouais, je disais, mon chum, il... Euh... Ça marche pas avec l'Apple, puis j'ai essayé d'écouter des vidéos aujourd'hui pour essayer de comprendre qu'est-ce qui marche pas. J'ai déverrouillé mon écran, j'ai euh, j'ai travaillé là-dessus, mais ça marche pas plus. Fait que je suis désolée pour ce soir, ça va rester de côté. Puis je vous assure que durant euh, durant mes temps libres, <laughs> qu'est-ce que c'est des temps libres Ah, oh, tu vas me l'expliquer moi, ouais, mais ça va tu marcher sur Apple, sur iPhone si ça marche, écoute, ça va être parfait, mais je n'ai pas de... Je, je peux pas filmer avec mon iPad parce que c'est ça. Vous l'avez vu, il boit il s'entoure, puis sinon, il est trop beau. On verra, sinon, mais au moins, je le remets en YouTube. Là. Je suis moins... Euh... C'est moins tannant. Mais je sais que pour certaines, ça dérangeait, là. Mais au euh, bon, moins, je vous le remets en YouTube, là. Je ne suis pas une si mauvaise euh, personne. hein. Puis euh, peut-être que vous êtes capable de verrouiller votre écran et le switcher. Ça, c'est une bonne option. C'est une bonne option qui peut être envisagée. Là, je vais mettre un petit peu de 3D en arrière. Donc, pour celles qui ne le savaient pas, <laughs> qui arrivent, là, j'aime les chats. Oh! C'est une blague. J'allais pitcher ça sur le. J'allais pitcher ça, pas du bonbon. Euh, j'ai mis mes chats hier en accouplement, hein? Puis, euh... salut Cindy! Puis là, je les entends derrière. Les entendez-vous recouler? Fait que là, j'ai hâte de voir quand est-ce que ça va fonctionner, cette histoire-là. Vont-ils faire des bébés du premier coup? Ou non? Parce que. Ils vont être magnifiques, tu sais. Je vous ai fait choisir les autres, mais euh, j'en ai des beaux aussi, là. J'en ai quatre beaux aussi. Si ces quatre-là font euh, de magnifiques bébés, ben, je voudrais pas les laisser partir, ils vont être trop beaux. Qu'est-ce que vous en pensez? Salut Lucie! <laughs> Laura! Vicky, il euh, faut pas que je te laisse la porte débarrer. Hein. Puis qui avec tous mes animaux Mais non, il faut pas là. Ça va être une question de divorce avec ton chum. Puis êtes-vous marié toi, puis Brian Oui, ça marche. Verrouillez votre écran pour pas qu'elle tourne. De, en bougeant votre cellulaire et vous allez vous et vous allez tourner votre essai L'image sera horizontale. Ouais, c'est la solution que je vous offre pour asseoir. Mais non, pour vrai, on va trouver une solution. C'est ça qu'il y a une façon que ça fonctionne. Mais malheureusement, aujourd'hui, durant mon travail, j'ai écouté des vidéos. <laughs> j'ai dit ça, moi. Moi, ouais, je, je travaillais. Puis pendant que des jeunes élèves qui avaient fait des mauvais choix perdaient leur temps, mais j'écoutais des vidéos comment virer mon écran de bord? » C'est très drôle. Euh, je sais plus ce que je t'ai posé, Vicky. Fait que. <laughs> Rewind. Et cette Cindy qui se rappelle plus ce qu'a dit. Ah ah! Voilà. Tu vas retrouver avec un gros paquet de chats. Si tu les gardes, moi, ouais, j'en ai déjà neuf. Hein, quand même. Puis là, je m'en ai acheté deux. Fait que si on compte neuf plus deux, ça fait pas mal onze. J'ai un chat qui capote là-bas. Ça s'en vient bien, hein? On peut faire de quoi avec cette étiquette-là? Cette étiquette-là? Me reste-tu d'autre chose? Si j'étais mariée, merci. <laughs> oh, je pense qu'il faudrait que je me médicamente. Pensez-vous? Pensez-vous que si je prends de la médication, euh. Ça va m'aider. Je ne serai pas aussi attachante. Je ne serai pas aussi attachante, mais je vais être moins gossante. <laughs> oh, tam, tam tam. Je suis en train de. Hein? Faut courir avec ça. Voilà. Là, euh, au lac Saint-Jean, quand on est dit pour y aller et qu'on peut pas... <laughs> non, pas de médication. Merci, merci. J'en prendrai pas de médication. J'aurais pu garder ça, ça aurait la couleur. Mais là, mon hein, nez, récupère pour récupérer. Oh, ben je peut-être récupérer là. Ouais. On met ça de côté. Tantôt, on avait du brun. À moins que je triche. J'en mets deux. Sans te trouver, gossante, on ne serait pas là. Hey, c'est vrai, ça. Vous êtes fine. On reste chez nous. Ouais, au lac Saint-Jean. Ouais, mais peut-être que vous êtes en confinement, vous n'avez plus rien à faire dans, de votre vie. Puis là, vous vous dites, bon, on va écouter la gossante numéro 2. C'est moi, ça. Y en a-tu, numéro 1 Y en a plein. J'ai plein de noms en tête, mais non. Je ne pas là, gang. Je ne vais pas là. Hey, ça, je pense ça serait parfait. Moi, je mettrais craft. Ouais, mais ben, je vais mettre les deux. Ah, le petit bout de craft, là. Ouais, aussi. Ouais, ouais, ouais. Dans le fond, faut que je m'amuse avec le kit. Hein? Il y a ça, ça, ça. Je mixe les deux. C'est pour vous montrer que des fois, avec un. Comment je pourrais dire. Un objet euh, restrictionne, <laughs> restrictionnant. Mais on peut faire de quoi de bien, des fois. Fait que c'est ça. Fait que Vicky est mariée, toi chose, t'as assez le fun, très chanceuse. Là, faut pas que je parle trop fort, que je dis chanceuse, chanceuse parce que en fait, euh, mon chum, c'est son rêve. Hein? Fait que le mec qui réécoute le live, mais là, d'après moi, il n'écoutera pas quand son nom de ma mère n'écoute pas. <laughs> euh, ouais. Fait que mon chum, c'est son rêve de me marier. Fait qu'il faudrait pas que je dise trop de niaiseries sur les, sur les, euh, sur le réseau social qui est là. Bon, j'ai vraiment là, le lac Saint Jean en tête. Quand je vous disais qu'il fallait garder nos retours, ben voilà, on va venir. Cassiopée elle a perdu sa mère adoptive qui est euh, Chitoli, qui est en train de faire des bébés. Titoli revient avec elle demain. Je hâte de voir comment ça va aller. Euh, bon, je comprends, j'ai déjà eu deux chats avant les enfants. Ouais. Imagine, mais que les enfants embarquent. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. On traversera le pont quand ça arrivera, hein? Mais la seule affaire que j'aimerais pas dans ma vie, c'est avoir un enfant. Allergique. Oh, le chat. Je capoterais. Je te ferai des amis que tu fais pas de cas. J'ai pas de race. Toutes des chats de SPCA. Ouais. Salut, Lorraine. Euh, ouais, mais en fait, euh, j'ai décidé d'être crainquée d'avoir des chats de race, mais j'aurais pu avoir des chats normales aussi. J'en ai déjà eu. En fait, là, dans ma vie, j'ai eu un élevage de... Euh mais on cherche un nom. J'ai eu un élevage de coqueurs. Ça fait 14 ans que j'ai un élevage de coqueurs. J'avais pris une petite pause. J'ai eu un élevage de coque à ciel. Un élevage d'inséparables. Un élevage de connure soleil qui a pas fonctionné. Euh, un élevage de chinchilla. J'ai tué un autre sort d'élevage? Je pense que c'est assez. Donc, dans ma vie, j'ai eu beaucoup d'élevages animaux. 19 chats. Hey. C'est quand même beaucoup, hein? Puis moi, dans le temps, j'ai une amie qui s'appelle Jeannick, qui avait des chats, puis je disais « T'as quatre chats? T'es malade! » Puis là, elle la trouve ça drôle parce que je disais tout le temps wow, « pas de chat, pas de chat! » Puis regardez, je suis rendue avec neuf chats. Puis je vais tomber à onze bientôt. Puis là, ça, c'est sans les bébés qui vont arriver d'une minute à l'autre. Fait qu'il va y avoir du choix ici, mes amis. Fait que là, j'ai mis un peu de 3D, si vous n'aviez pas remarqué. Là, je vais coller ceci, mais avec de la colle. C'est ça. À date, ça a-tu ça, ça du sens? Est-ce qu'on est capable de faire de quoi avec un kit, vous pensez? Je pense que oui. Puis en plus, là, une belle photo de canard de ma grand-mère. Tu sais, la fille qui comprend pas. C'est pas, pas la fin la plus facile à coller. Ça. Je suis concentrée. Je veux pas de navage que dans le front. Ah, on retard on récupère. C'est tout. Le tape que je mets s'appelle le tape. Il euh, y a, a quelqu'un qui m'a répondu l'autre fois. Je pense c'est Lise. Euh. Les deux races de chats que tu as sont fantastiques. » Ah oui, oui, oui. Mais en fait, ma soeur a des rex corniche. Elle, elle a un rex. Elle aimerait bien que je fasse l'élevage de rex. Mais euh, deux races assez, plus une race de chien. Je pense que je donne pour, euh, je donne pour la peine. <laughs> c'est pas ça, donc. Euh, mais oui, euh, des euh, Bengales et Maine c'est magnifique. En fait, le mix des deux se fait bien parce que le bengal est tannant Et le Coon est plus doux, mais très gauche. Tape à joint américain. Merci, Diane. Puis euh. Peux-tu peux m'adopter? Je vais aller jouer avec les chats, s'il vous plaît. Euh, en fait, non. Je vous adopte pas, mais vous, quand ça va être fait. Euh, ouais, les règles, c'est vraiment fin, ça a l'air, Sophie. Euh, ben, en fait, on ben, en a un, par exemple. Moi, je trouve que quand on a juste un, un chat, ben... Le caractère... Le beau caractère est là, mais le caractère mauvais aussi ressort. Fait que je trouve que... C'est sûr que ma, ma soeur, elle a des enfants. Fait que je trouve que son caractère, il est, il est trop énervé. C'est moi qui dis ça. Tu sais, versus moi, toute ma gang, sont pas tant énervés, à part qu Cassiopée qui vient arriver, est énervé puis c'est un bébé. Mais je trouve que son Rex, il est très énervé, puis je pense que c'est parce qu'il manque de l'attention. Euh, en fait, moi, je l'ai acheté dans la boutique de Donna Dorney, mais euh, celle qui écoute, là, euh, le, je parle du tape-joint, euh, tape-joint, euh, celle qui écoute, il euh, y a une place à Québec ou à Montréal qui en vend, puis euh, j'ai pas retenu le nom, parce que ma roulette est quand même grosse encore. Mais moi, je l'achète euh, chez Donna Donné dans sa boutique, puis c'est sûr qu'il y a moyen de trouver ça sur Amazon ou, euh, écoute, c'est sûr, sûr, sûr qu'il y a ça sur Amazon parce que ou un autre un autre endroit ça ça aussi c'est dans le kit mais euh, ça va être too much si je mets ça je trouve qu'il y en a assez mettons que j'y aurais mis une petite carte je sais plus où on en met hein? ça aussi ça va être too much je pense qu'on en a assez ou Ça fait que ça aussi, on va s'arrêter On n'est pas obligé de mettre trop d'affaires. Ça existe à plein de couleur de ce type-là. Mon euh, prochain chat va être un Maine Coon. Peut-être. Ah, écoute. Mais en fait, dans le fond, le présentement, ils sont en accouplement. Donc, dans 65 jours, j'ai des bébés Maine Coon. Woo! Regardez, je chante puis je danse. Puis, euh, ouais. Après ça, dans une semaine, je remets une autre Maine Coon. Darcy, la plus belle au monde. En fait, elles sont toutes belles. Puis, euh, Sylvie, je vais attendre, mais ma petite Sylvain, elle a comme quatre euh, mois de différence avec eux. Quatre mois ou trois. Donc, euh, je veux comme attendre. Puis, en même temps, j'en ai deux bengales qui vont accoucher, deux minecoons, plus mon chien qui va être... À... que je vais refaire accoupler. Je pense que je vais être correct. <laughs> mais euh, oui, Roux. Euh. C'est sûr que s'il y a un mannequin roux, gars, qui sort, j'aurai de la misère à pas le garder. Mais en même temps, tu sais, je pourrais pas, à moins de le faire opérer puis de le garder avec les autres mâles. Mais tu sais, c'est ça, j'ai un risque. Là, vu que je commence à coupler mes chats, peut-être qu'ils vont devenir malins entre eux. Euh... Ouais, fait que non, je ne peux pas garder de mâle puis genre, mes deux rousses. Excusez-moi, hein, j'ai crié dans vos oreilles. Bon, non, bon. bon. Fait que là on était dans le kit, on était là, on, je, vais... je pense que je vais coller tout de suite la photo, puis euh, je vais après ça je vais aller écrire. Mon pre... moi j'aimerais avoir un chat, mais mon mari est allergique. Oh salut Sylvie, Sylvie j'ai faxé ton cadeau, ben c'est pas un cadeau t'as gagné, euh, j'ai faxé, j'ai malé, <laughs> allée le porter au bureau de poste tantôt. Toi qui arrive, donc euh, dis-moi, confirme-moi quand ça arrive. Chanceuse, elle a gagné un kit de crème euh, pour le visage à 300$. Et tu parles d'une bonne idée, toi, d'avoir participé à ce concours-là, Sylvie. Hein? Écoute, c'est un cadeau qui, euh, moi, j'aurais aimé ça le gagner. Malheureusement, mon nom était pas là. Mais, euh, c'est ça. Fait que, euh, félicitations. J'ai hâte que, Sylvie, tu m'en reparles de ce cadeau. Bon. Ces canards-là, -là, qu'est-ce qu'on leur dit comme qualité? Quel mot qui serait bien écrit? Ça, c'est ça, mon bug. Moi, écrire des titres, des lettres, des patentes, c'est pas ma force. Dites-moi dans ce que j'écris, les cinq points, là. c'est vous qui allez contribuer euh, à la beauté de ma page. Et pour celles-là qui ont été à l'agenda, il est à côté. Regardez comment euh, sécher, il a bien fait. Oui, les, les règles sont hypoallergiques. Euh, sinon, les, euh, les sphinx aussi, mais moi, j'aime pas le. J'ai failli acheter des, des sphinx aussi, comme on au face, mais j'aime pas la graisse euh, animale ou quand, quand ils sont. Euh, ben, des fois, ils font comme un petit. leur peau, là, et comme graisse puis ça fait. ça tache les draps, s'ils dorment dans vos lits ou tout ça. Ah oui, Sophie, Lac-Saint-Jean. Oui. Coin-coin, c'est coin, bon, ça. Lise, je vais écrire coin-coin. Après ça, qu'est-ce qu'on écrit d'autre? <laughs> On écrit ça au Lac-Saint-Jean? Ah non. Euh... On trouve un crayon qui écrit. Première étape. J'en ai marre des canards. Bon, finalement, il n'y a pas grand-chose. Hein, se... Ça va être cute, ça. Coin, coin. J'en ai marre des canards. Bon. Là, j'espère que ma face ne sera pas là. Coin coin j'en ai désolé pour mon bruit mon en arrière mort oups des canards avez vous d'autres idées ah de ça prend de. Ah, mort j'en ai mort oups ouais c'est pas grave de toute manière je jette mes pages j'en ai ça va être un, ah, ok j'en ai marre des canards il y a tu chasse. c'est la attention chasseur à l'affût c'est bon ça attention attention chasseur à l'affût c'est quoi l'autre? C'est la danse des canards, Puis il m'en manque un autre. C'est la danse des. Je fais des flèches au lieu de récrire canard. Il y en a plein. Un dernier. Ouais! Vous n'êtes pas bien ben, inspiré? Il m'en manque un. Il m'en manque un. Trouvez-moi ça. Je vais l'écrire après. Dans le kit, il y a ça qui est customizer. Qu'on peut costumer. Ouais. Sinon. Pauvre petit chat d'amour. Ils ne se peuvent plus, mes chatonnes. Ils sont toujours. À nous trois, c'est la joie. Le, le canard de Gaspard. Mais en fait, vu qu'il y en a plusieurs, j'aime moins le. Vu qu'il y en a. À nous trois, c'est la joie. À nous trois dans la joie, peut-être celles qui me connaissent, je dis dans la joie tout le temps. Ouais. À nous trois dans la joie. À nous trois. Dans la joie. Voilà, c'est fait. Trop tard. Trop tard, vous n'avez pas été assez vite. Donc là, j'ai mis un petit peu d'étiquette. Je vous rappelle hein, que mes trucs, là, ça fait longtemps. Des fois que j'ai acheté des affaires, ne vous fiez pas au prix qui sont là. Parce que je sais que le... Certaines affaires ont augmenté, certains, certaines affaires sont discontinuées. Fait que... Salut, Émilie, t'es revenue? Vous partez, puis vous revenez? Ça aussi, c'est dans le kit que j'avais mis. Mais ça, c'est dans le kit bleu, celui-là. Ça fait bien, hein, quand on met des petites étiquettes. Salut Vicky, t'es revenue? Est-ce que vous partez, vous revenez? avez tu eu un bug de connexion ou vous étiez tanné de m'entendre? Peut-être que. Peut-être que oui. Peut-être que non. En tout cas, je suis contente de vous revoir avec moi. Partez pas trop. Là, je m'amuse avec les étiquettes. J'aime bien ça, Tiens, hein? c'est un moment de, de. Tout le monde s'est déconnecté puis s'est reconnecté. C'est louche. Y avait-tu eu un bug électronique? Peut-être que vous avez entendu mon cri. <laughs> je crie pas tout le temps, c'était juste parce que je parlais de mes bébés. Oh, petite Cassiopée voulait vous dire bonjour. C'est le moment de mon zénitude. Incroyable. Pas sûr j'aime ça mon affaire comme ça se fait bien ah, elle vous fait dire bonjour Fait que là, euh, tantôt je posais ça comme question. On aime-tu mieux jeudi, on aime mieux vendredi pour le live. Non, celle-là euh, non, c'est trop, euh, c'est trop brillant. Lundi est pas. Pose... Salut Madame Jannick. T'es chanceuse, t'arrives après parce que tantôt je parlais de toi. Moi, je parlais dans ton dos. <laughs> ben non, ben non, je disais que avant, je trouvais que tu avais beaucoup de chats. Puis que maintenant, c'est pas mal moi qui a beaucoup de chats. Fait que tu as le droit de rire de moi quand tu veux. C'est permis. Donc je m'amuse avec les étiquettes. En attendant que vous vous endormiez un peu. Puis dans le kit, il y avait des trucs comme ça aussi. Voilà. Je voulais pas en avoir 22. C'est des petites flèches en liège. Là-dessus, ça va faire moins beau. Comme ça. Et eh, Vous êtes tranquille? C'est rare que vous euh, commentez pas. Donc, mettons que je vous demande, est-ce qu'on peut faire de quoi avec un kit pas trop cher, avec plein d'affaires de même? Je pense que oui, hein? En tout cas, mon chat est en train de faire ma nappe à côté. Je pense que oui. Ça, on rajoute-tu des fleurs? Peut-être. Peut-être pas. Ça, c'est les fleurs qu'il y avait dans le kit aussi. Je pense qu'on en met un peu. Dites-moi donc, il est quelle heure, euh, les femmes qui ne parlent pas? Les femmes concentrées. Vous êtes aussi concentrées que moi? Quelle heure est-il? Hier, vous aviez un délai de 5 minutes. Ça monte <laughs> dans 5 minutes. Quelle heure est-il? Janik, si tu regardes encore, le même nom pour le tournoi, j'ai oublié. Ça fait deux fois que j'en parle. Puis j'ai oublié. C'est que le petit cerveau de Cindy, elle oublie tout. Elle oublie tout. Bon, mais vous ne voulez pas me répondre. Vous ne voulez pas me dire y a quelle heure? Bon, le chat qui s'intra-terre excusez la voyez-vous? Elle... <laughs> elle mange mes fleurs. Bon. Ce petit chaton est adorable, mais elle détruit tout sur son passage. Vous la voyez pas, hein? Elle est sur le coin, puis. Salut Alexandra. Alexandra, toi qui arrives, tu m'entends peut-être? Il est quelle heure? Quelle heure est-il? C'est assez les fleurs. Tiens. Quelle heure est-il? Par chez vous. Bon, mais laissez faire, personne ne veut me dire l'heure. Je vais le trouver tout seul, d'abord. Vous êtes crampin en plus. Bon, au bon, moins vous êtes encore là. Vous êtes tanné de me dire l'heure à chaque live que je fais? De ne pas être minuit. Je sais pas. Hein? En tout cas. Bon, fait que là, je m'amuse à mettre des petites fleurs. Si vous autres les pires, si je sais pas, là, je vais me dépêcher, que je vais penser qu'il est tard fait que là, vous allez avoir moins de l moins longtemps de live. Jannick, tantôt, je disais que j'étais allée chercher ma commande, puis j'ai tout présenté ma commande aux gens qui regardaient. Puis après ça, ben, j'ai mangé une soupe sur le perron à deux mètres, pas loin de chez vous. Je t'ai espionné encore. C'est ma façon de, de dire bonjour, mais tu le sais jamais. <laughs> Parce que tu me vois pas. Oh, oh, oh! Tu comique, hein? Euh. Ah, vous me répondez? Merci, euh, Isabelle. C'est non, mais drôle que je vois rien. Mais si le live, il marche, euh, c'est correct. Je vais aller lire tous vos messages. C'est drôle, par exemple, parce que je prends la peine d'être debout pour regarder, mais des, des fois, face fois, Facebook, là. Hein? Facebook. Oups. Pas mauve. En tout cas, merci de me répondre. <laughs> je vais lire ça après, finalement. Ça me fait plaisir de parler tout seul j'ai vu ton message. Isabelle, je vais arrêter de parler euh, que personne ne répond je suis une petite incomprise de la vie. C'est vraiment drôle. Bon, désolée de vous avoir gossé à euh, chercher, euh, chercher de l'attention, mais je ne voyais pas vos messages. Donc, en euh, fait, tu des petites gouttelettes? J'ai comme l'impression que vous me dites oui. Ouais. Bon. Bon, bon, bon. Fait que je pense que. Je pense que mon téléphone il est en train de virer fou. Peut-être que ben, je l'ai viré de bord tantôt. Je sais pas. Bon. C'est pas grave. Alors, pour vous, je tasse les fleurs. Je tasse tout. Je vais faire des petites gouttelettes. Ça, je les utiliserai pas, mais ils sont dans le kit. Vous en avez. Euh, puis, c'est ça. Je vois pas tous les messages euh, passer. En Facebook, des fois, ils passent, des fois, ils passent pas. Fait qu'en tout cas, je suis désolée. Désolée, désolée. Au moins, je vais peut-être prendre ça. Non, mais, mais c'est vraiment plate que... Je vois que le monde se reconnecte, mais je vois pas... En tout cas, je vois pas ce que vous écrivez. Rien. Ça me fait plaisir de communiquer avec vous. Euh, mais d'une autre façon. Hein? <laughs> en me parlant de suite. Euh, voilà, voilà, voilà. Fait qu'on disait qu'on faisait des gouttelettes. Euh, <laughs> L'avez-vous vu de jumping? Elle a eu pas hein? le des ciseaux, je pense Mon chat est fou. Elle a vraiment euh, été d'un bon euh, d'un bon bon. Après ça, fait boum ». Elle a fait... à, à, comme vu qu'il y avait. <laughs> elle me fait rire. Donc je, je le disais la dernière fois, hein, j'ai un petit mélange de gesso et eau. Que ça fait des années que je prends. Que je remets, que je, que j'arrange. Donc, je vais lui faire des petites gouttelettes. Mais je vais peut-être cacher aussi les écritures parce que ça serait plate, tu sais. Malgré qu'il y a une place que j'ai fait une coupe d'erreur. Juste un petit peu de gouttelettes pour. Pour ceci. Puis je vais y en faire euh, des gouttelettes bleues. En fait turquoise. Je vais essayer d'y en mettre un petit peu. Petit château ce serait le fun que tu nous laisses tranquille des fois. Un petit peu plus foncé. J'espère que vous voyez encore, là. J'imagine. Le turquoise est plus foncé, mais. Je suis allée mettre un petit peu d'eau sur mon pinceau. L'atténuer, je vais mettre un petit peu de blanc. Puis après ça, on va, on va sécher un petit peu. Puis je vais mettre du jaune. Là, j'avais pas mis de gesso euh, avant parce que j'en mets rarement, mais ça gondolera pas trop parce que je viens faire les gouttelettes juste à la fin. J'ai vraiment, j'ai vraiment des gars de chat. Donc, je vais faire sécher un petit peu, puis après ça, je vais mettre du jaune. Salut Michel. Je vois que vous vous connectez, mais je vois pas euh, ce que vous dites. Si je mets mon iPad, je verrai pas plus parce que ça marchait pas le fois. Pour... Fait que, vive la technologie des fois. Je laisse sécher un petit peu à l'air libre. Je vais aller me chercher une couleur. Mais t'es tanant, t'es toujours avec nous. Faudrait que t'arrêtes de grimper partout. Allez me chercher une petite couleur jaune. Ça fit ça, hein? Même, j'ai même du jaune. J'aurais pu mettre euh, de la poudre puis euh, saupoudrer avec de l'eau. Euh, J'avais moins le goût. Fait que là, je vais m'amuser avec un peu de jaune qui, quand, qui tire sur le or. Donc, ça va être plaisant. De venir faire un petit mélange de couleurs. On voit déjà que je n'ai pas beaucoup utilisé cette couleur. Je sais pas pourquoi. Si vous entendez quelqu'un parler en arrière, c'est mon chum qui a décidé qu'il gagnait. Fait que vous allez voir, des fois, il parle en anglais pis c'est vraiment drôle. <laughs> c'est pire que moi! Mais il dit qu'il est bon là. mais en cas, je pense que je vais l'enregistrer à mon un petit peu de gesso blanc pour mixer le tout. Puis la page serait pas pire terminée, mais j'ai même pas mis de titre. Puis là, est-ce que j'ai un titre proche? Je n'ai pas... Je n'ai peut-être proche. Pendant que... Elle ah, m'a un titre de canard. Hein. Ça, je trouve pas ça... Je trouve pas ça dans le coin de rue, hein? C'est sûr que j'ai fait des écritures. <laughs> oh, pas décidé qu'elle utilisait son jouet. Ouais, ouais, ouais. Peut-être, j'ai peut-être trouvé de quoi. Pour faire un titre hein, que a de l'allure. Ouais. Vous trouvez ça? Qu Qu'est-ce a décidé qu'elle venait faire des petites tapes dessus? Dans ce temps-là. Je sais pas, hein? Ouais. Ça serait, ça serait beau ça ici. Voilà. Ça va être ça, mon titre. Une petite, un petit euh, mot acrylique qui n'est pas neuf, d'ailleurs, de Lime Citron, que j'aime bien. Bon, hein, Cassiopée, salut. Euh, Elle veut vraiment être avec nous. Hein? Elle remonte tout le temps, soit ça, ou sur mes genoux. Fait que, si vous cherchez des chocolats dans votre vie, là, Bengale. Bengale, c'est la race la plus colleuse. Ben, en fait, non, les recs sont très colleux. Les... Toutes les chats, et les bengals sont achemables. Donc, je vais coller ça avec ma colle. Là. Puis, je vais pouvoir vous présenter le prix du live que je vais faire tirer dans quelques temps. Là, je vais faire mon montage vidéo. S'il si, si n'apparaît pas aujourd'hui, il va apparaître demain. Euh, je vous rappelle que les kits, vous pouvez m'écrire en privé. Je vais prendre première vie, premier écrit, premier servi. <laughs> ça se dit-tu? Euh, puis, euh, en fin de semaine, je veux faire d'autres kits. Là, fait que, si mes temps ne réussissent pas à avoir ceux-là, je vais en faire mix média en premier. Puis, euh, comme j'ai commandé aussi plein d'affaires chez Fabrica Décoru, bien, je vais pouvoir vous faire des kits plus récents. Ça fait que ça va être génial. Voilà. J'aurais pu mettre des petites gouttelettes noires mais on dirait que pour moi c'est assez les petits détails. Est-ce que est ce que vous aimez Faites-moi des euh, faites-moi des petits cœurs parce que je vois pas <laughs> vos commentaires. Vous pouvez les dire mais en tout cas, je vois pas vos commentaires. Si vous aimez ça super, faites-moi des pouces, des cœurs, sinon ben c'est pas grave, faites-moi des faces de babouin. Ah super, au bon, moins je vois ça mais je vois absolument rien de de tout. Et hey, puis Jannique, hein, ça fait longtemps cette petite petit truc là mais c'est tellement beau c'est tellement beau des petites affaires puis j'en elle va trouver ça drôle que j'aie pris ma photo de canard qui est pas à moi mais bon voilà alors euh, voici la page que j'ai fait avec le kit qui sont en vente euh, j'ai pas la seule affaire que j'ai ajoutée c'est un titre puis euh, j'ai pris deux deux tags puis j'ai pris euh, tu sais le reste là c'est mes couleurs que j'avais ici fait que n'importe qui est capable de faire une page ou deux ou trois même avec le kit, ça va être quand même fascinant, facile. Et voici, je vous présente le tirage, le prix qui sera tiré au prochain live qui soit jeudi ou vendredi. Alors, euh, des petits dossiers de ID Swap. Je pensais qu'il était en arrière. Des vieux badges de Studio Calico. Ils sont quand même bons encore. Il ne paraît pas que c'est une vieille collection. Euh, un petit titre d'Ali Little El Elper, puis euh, Bayard Barbecue pour celles qui font des barbecues. Euh, je vous rappelle que ce sont des prix plus plus, euh, plus euh, ça va, plus je rajoute des choses. Ce sont des prix que je tire parce que j'ai le goût de vous gâter. C'est pas des choses dernier cri, mais euh, c'est quand même gentil de ma part. Donc, si ça vous plaît pas, il euh, y a souvent des enfants qui aiment avoir du matériel comme ça. Fait si vous le gagnez puis ça vous plaît pas, vous le donnez à vos enfants. Euh, sinon, ben on est heureux, on est content. Euh, voilà, fait que ça veut dire que je vais choisir, je vais vous refaire ça. Là, je vais vous mettre la photo avec des questions comme d'habitude. Puis euh, je vais aussi euh, vous mettre la vidéo. Puis je vais choisir si je fais le live jeudi ou vendredi. Je pense que ça va être plus vendredi, malgré que... Entre... Ça dépend, là, parce que c'est sûr que si ça fait trois jours de fil que je vous fais des lives. Euh... J'ai peur que vous vous soyez curieux d'entendre ma petite voix charmante. <laughs> bon, mais en tout cas, je vous dis salut! À tantôt! Venez m'écrire en privé si vous voulez un Passez une belle soirée! Bye bye!